Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Piracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Twilight Princess Randomizer Season 1. Tout simplement, donc oui, pour l'épisode 2, j'espère que vous allez bien. Alors, au cas où l'épisode 1... Ou sort demain pour moi, donc je n'ai pas pris vos connaissances de vos commentaires ni rien du premier épisode, donc je sais pas si ça vous a plu ou quoi. Je pense que oui, quand même, c'est du Zelda. Donc souvenez-vous, dans l'épisode précédent, alors il me semble que oui, on avait tout validé. Hein, oui. Ah oui, bon, ça c'est normal parce que du coup, il faut que mon truc. Ah oh, putain, en fait, j'ai été débile. En fait, non, faut pas que j'enregistre, c'est pas une bonne idée. Comment je pourrais quitter et revenir? En fait, il faut tout que j'accratisse, c'est chiant. C'est chiant. Ah, parce que du coup, en fait, je suis... Ah non, mais je crois que c'est déjà randomisé, donc logiquement... Je dis pas de conneries. Il est censé avoir les premiers coffres. Attendez, je vais quand même aller voir. Sinon, je regarderai pas. Mais souvenez-vous, du coup, dans l'épisode... attendez, ce coffre-là est récupéré. Ah oui, je crois que j'avais récupéré tous les coffres et je vous avais laissé là, la fois dernière. Donc logiquement, warp. Oui, à mon avis, c'est tout déjà tout est oui, tout est clean, donc OK. Bon, du coup, oui, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait un petit peu commencé à avoir nos premiers items. Enfin, nos premiers items, je vous rappelle qu'on avait rien du tout. si vous voulez, hein, regardez ce qu'on avait dans l'inventaire. Donc on avait eu deux fragments de cœur. Vous pouvez voir en bas en fait ce que nous avons eu. Nous avons eu, il me semble, ouais, un insecte, donc il est là. Et nous avons eu également comment on appelle, une boîte secrète, voilà. Donc aujourd'hui, on va tenter de continuer, voilà, de continuer. On va directement se téléporter et on va se téléporter justement vu que je vous avais dit que je crois qu'on allait partir là en premier, puis après on va continuer, on va faire ça, puis après on va faire ça. Bon, en fait, on va suivre un chemin classique, en fait, si vous voulez, d'un randomisant. Donc on va aller directement dans la gorge de Cocorico pour directement aller retourner en bas. Donc ça serait bien d'avoir nos premiers items, parce que c'est vrai qu'on a eu énormément de coffres à rubis. Ça, je vous avoue que on en a eu des coffres à rubis, on a eu vraiment pas eu de chance du tout. C'est vrai que dans le précédent épisode, on a obtenu deux fragments de cœur et un insecte et même une botte secrète, donc c'est déjà bien. Mais c'est pas folichon quand même. Hein. Voilà, c'est un petit peu triste tout ça. Mais donc on va tenter d'obtenir autre chose. On va voir, hein, ça serait bien d'obtenir au moins nos premiers items. Je dis pas, peut-être au moins un truc pour se défendre, quoi. Un arc, un lance-pierre même, carrément, je sais pas. Mais un truc pour se défendre, même carrément, une épée. Mais ouais, ça serait gentil, quoi. Ça serait gentil. Alors, du coup. Alors, vu qu'on est là. Ah oui, la nuit était... la nuit, en plus, tombe bien. Parce qu'on va pouvoir, du coup, avoir notre petite âme de spectre. On va directement la récupérer. Elle est à côté, donc... on va récupérer déjà tous les coffres, hein, tout simplement, qu'on peut actuellement, avant de rentrer dans les donjons. Et après, on s'occupera des donjons. D'ailleurs, je crois qu'on avait obtenu une clé, non? Il me semble qu'on avait obtenu une clé. Attends, Faron Wood. Il me semble qu'on avait obtenu... Est-ce qu'on avait obtenu une clé? Putain, je sais même plus. Je sais même plus, une honte. J'ai pas, au cas où, j'ai pas vu mon épisode 1. J'ai pas revérifié mon épisode 1. Oh, le bâtard. Ah oui. Alors par contre, voilà. Merci, il s'est calmé. Oui, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. Et du coup, ah, une âme de spectre. Ok. Ok, ok. Alors j'espère que c'est bien randomisé. Parce que ça serait con. Que ça soit pas randomisé et que j'ai fait ça pour rien. Bah, tout simplement pour me le confirmer, je vais aller voir en récupérant un insecte. Si j'obtiens l'insecte en question, c'est que c'est malheureusement mon truc, il est un peu pété. Je sais pas comment je vais faire. Donc je vais voir tout simplement. Donc normalement, je le saurai si je récupère. On va voir si je récupère ça. Ah non, c'est bien randomisé. C'est bien randomisé. Donc j'ai obtenu ok. Un 5 rubis, donc ouais, bon, on a obtenu bon, une âme de spectre, c'est déjà bien, donc c'est notre première en plus, c'est déjà bien, mais bon, voilà, c'est pas foufou. C'est pas foufou. En fait, c'est dès qu'on a lancé la partie, bah oui, l'acide est inscrit, donc c'est un truc enregistré du coup. Bon, bah écoutez, on va directement se transformer en loup, hein, et on va tenter du coup de récupérer les autres coffres. Alors du coup, c'est vrai qu'il faut pas oublier d'autres potentiels coffres que nous avons du coup dû laisser malheureusement.
en attendant d'avoir des items. Alors ici il y a un trou. Donc ici il y a un trou avec du coup logiquement des coffres. Allez du coup, on va voir. Je crois qu'il y en a trois, il me semble. Mais ouais. Ok, attention. Oh putain. Aïe. Aïe. Oulala, oula. Ah, pour les épisodes épileptiques, je suis désolé. Je suis désolé pour vous là. Ah bah en même temps, si vous êtes épileptique, je crois que pour regarder un jeu vidéo avec de l'action, c'est pas une très bonne idée en même temps. Honnêtement, hein, Hop, bah il y a rien du coup. Merci. Ok. Ok, donc il y a le premier coffre là. Alors là, il y a pas mal de rubis qu'on va tenter de récupérer. Merci. Donc là, normalement, il y a le deuxième, voilà. Et normalement, le troisième, il est là. Voilà. Donc on va le récupérer dans l'ordre. On va récupérer lui d'abord. Et puis après, on va le récupérer l'autre. Ouh, Magic Armor. Waouh, ok. Alors ça, c'est un équipement. Alors, c'est pas ce que je voulais. Donc en fait, ça me servira pas à grand-chose. Peut-être pour la caverne de Lord Ali, mais... Ça me servira pas à grand-chose. Mais bon, ok. Une armure magique. Ok. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, bah écoutez, déjà un truc. Alors, on peut voir, hein, elle est là. Alors, on pourra se l'équiper quand on pourra, mais voilà, on va pas se l'équiper parce que ça fait perdre des rubis, mais ok, pourquoi pas. Ok, 20 rubis. Ok, ouais, c'est vraiment une cida rubis, malheureusement. C'est vraiment une cida rubis. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? 10 rubis. Ok, bon, ben. Ok, il n'y avait que la magie, on va dire entre guillemets la Zora Armor qui était bien, enfin la Magic Armor qui était bien. Hein, que l'armure magique, mais ok. Bon bah on a eu une chance, ouais, on a eu une bonne chance. Bon. Au moins si on obtient un truc majeur dans un épisode, c'est bien déjà. Dans l'épisode précédent, on avait obtenu, il me semble, l'Eden Skill. Bon, moi, je considère que ça et ça, c'est des bons trucs parce que ça nous permet d'obtenir des trucs peut-être intéressants. Et ça permettra d'obtenir, du coup, enfin, ça me permet de, simplement d'avoir, d'être un petit peu plus fort. Donc, ça va. J'ai obtenu deux trucs bien la fois dernière, un truc bien aujourd'hui déjà. Donc, on va tenter de récupérer d'autres trucs d'un. Donc, on va aller directement. Dans le prochain, il me semble que le prochain trou, en fait, il y a pas de coffre, hein, il me semble. On va quand même aller jeter un coup d'œil, ça casse pas trois pattes à un canard, mais il me semble qu'il y a rien. En fait, j'aimerais bien quand même obtenir des items, quoi. Un arc, un boomerang, en fait, un truc de défense, quoi. J'aimerais bien obtenir un truc de défense ou un truc d'attaque, un truc pour qui peut te permettre de défendre. Face à des ennemis, parce que c'est vrai, en loup on peut attaquer, mais c'est pas foufou quoi. Je préfère largement être en Link pour attaquer quoi. Parce que le loup, en fait, on attaque les âmes de spectre principalement et ça nous sert pour nous déplacer plus vite, mais c'est tout quoi. Bon, il y avait pas de coffre là, donc on va pouvoir partir en direction de la gorge de Cocorico. Donc là, malheureusement, on n'a plus rien à y faire, et donc du coup, ben, les amis, c'est parti. Donc là-bas, il y a, il me semble, un trou et deux insectes qu'on peut récupérer maintenant, donc voilà, on va voir. Alors, et dans l'âme de spectre en haut également l'âme de spectre. Alors du coup, waouh, ok, 10 rubis, ok, c'est un petit peu triste cette histoire, hein. Allez, on va tenter de... J'ai l'impression qu'il va pleuvoir dans le jeu. On va tenter de récupérer cette âme de spectre. Voilà. Allez. Un truc intéressant, s'il vous plaît. Même pas. 5 rubis. Ok. Bon, bah, si on veut. Si on veut. Bon. Bah, on va tenter de récupérer... on va tenter de récupérer la prochaine insecte. Aïe 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 aïe, je vous jure. On n'a pas de chance quand même, hein. On a vraiment pas de chance. Il est éclaté au sol, le randomiseur là actuellement. Vraiment aucun item, c'est triste. Ouh, un insecte. Ok, bugs. Dragonfly. Pourquoi pas.
Bon, ben, un insecte, déjà, c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, on peut le voir, il est là. Bon, ben, tant mieux. Donc, on peut peut-être avoir deux objets intéressants. Enfin, en tout cas, oui, parce que, évidemment, du coup, même les objets de Macaron sont randomisés. Alors, je sais pas s'il y a un coffre ici, je m'en souviens plus. Honnêtement, je sais plus. Par contre, je pense que ça va vous stresser, ce sound effect. Bah, récupère un cœur parce que c'est chiant. Ah, ici, il me semble que nous avons des rubis quand on arrive à avoir tout le monde. Oh putain. Oh là là, oh oh. Ça pue du cul cette histoire. Allez, s'il te plaît, crève. Merci. Ok, bah, c'était pas évident. Donc, du coup, là, on va avoir une pluie de rubis. Voilà. Alors, pour les boutiques, hein, c'est intéressant, les rubis, même pour. Donner à l'autre. Enfin, à la gouron. À la gouronne. En fait, c'est une mine à rubis. Mais je sais plus s'il y a un coffre ici. Putain, je sais même plus. Enfin, un coffre en bois. Non, il me semble pas. Hein. Non, il n'y a pas de coffre en bois. On l'aurait vu sinon. Et il n'y a rien à chaque fois dessus. Bon, bah écoutez. Tout ça pour ça. Ok, pourquoi pas. Ouais, bon, bah on va tenter de récupérer autre chose. On a forcément des choses à Cocorico. Déjà, il y a le cimetière et tout ça, donc je pense qu'on va directement y aller. Bon, bah écoutez, on va tenter. Ça serait bien d'avoir nos premiers objets. Il y a même les insectes, il y a même les boutiques également. Les boutiques qui nous permettra d'avoir d'autres items. Donc là, on va vraiment être. Ça a du cours, moi, les items qu'on va pouvoir obtenir ici, en tout cas en termes de collectibles, je parle. Donc en espérant qu'on obtienne des bonnes choses. Hein, en espérant qu'on obtienne des bonnes choses. Parce que j'avoue que ça serait triste sinon. Déjà que c'est un peu triste, je trouve là actuellement, mais. Voilà. On va voir. Hein. On va voir. Hein, donc. Graveyard. Alors, du coup. Qu'est-ce qu'il y a ici, donc évidemment. Les petites âmes de spectre, mais qu'est-ce qu'il va me donner? Ah, super. Ah bah super, il est dans le truc, l'âme de spectre. Oula, tu restes sage, toi. Voilà. Et tu crèves. Ouh, 200 rubis. D'accord. Ah, donc en fait, c'est vraiment une scie de rubis, quoi. C'est triste, hein. En fait, entre guillemets, c'est quand même triste. Hein. Là. Ouais, 5 rubis. Oh là 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 là. Oh, le nombre de rubis. Alors, quand je vous dis, quand on va récupérer. En fait, dites-vous que ça réduit encore plus de chances pour avoir des bons items. En fait, dans le sens. Non, ça augmente les chances d'avoir des bons items. En fait, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y aura que ça. Donc, bon. Ça peut. Ça commence mal, mais on aura sûrement des bons trucs. Ouh, un fragment de cœur. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Ok. Là-bas, il y a un petit coffre à avoir. Là-bas, il y a un petit coffre à avoir, on peut le voir d'ailleurs d'ici. Alors. Bon, lui, il va rien me donner, il me semble. Normalement, il est censé me donner un truc, mais c'est quand on lui donne justement le truc en question. Mais. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a là? Ouh, une bouteille vide, premier item. Wow, mais qui ne sert à rien actuellement. Mais une bouteille. Ok. Donc logiquement, voilà. Bon, ça, c'est pas une arme. Ce n'est rien. Mais bon, écoutez, hein, quoique, ça commence. Voilà, vous voyez, ça commence petit à petit, quoi. Pourquoi pas. Bon, on a obtenu déjà une bouteille. Bon. Sur les 4, hein, évidemment. Donc, deux items. Alors, on va dire entre peut-être l'insecte et tout, ça, et le fragment de cœur et l'âme de spectre, ça fait quand même pas mal de choses intéressantes aujourd'hui. Donc. Honnêtement, pour le moment, je suis satisfait de l'épisode. Voilà, on n'a pas rien obtenu, quoi. On n'a pas rien obtenu. J'avoue que si on avait pas obtenu pas beaucoup de choses, j'aurais peut-être un peu crié, mais là, ça va. Honnêtement. Tranquille, quoi. Tranquille, tranquille. Donc, du coup, on va tenter de rentrer ici.
crois qu'il va y avoir la lettre de Reynald, normalement. Enfin, c'est pas du coup ça logiquement, vu que c'est, je crois que c'est randomisé. Enfin, c'est pas je crois que c'est randomisé normalement. Donc, normalement, c'est Reynald qu'il faut parler. Alors, vas-y, ça je passe. Hein, je... Si vraiment vous voulez voir l'histoire, le let's play avec l'histoire et voir du coup mon let's play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD mode normal qui est déjà terminé à 100%, 133 vidéos à voir donc à 100%, hein, donc allez voir. Donc ah si c'est bien ça, Ronaldo Run Later. Bon bah ok, bon ça a pas été randomisé ce truc du coup. Enfin d'habitude c'est randomisé, je sais pas. Alors c'est peut-être le coffre qui est là en général, enfin il est censé avoir un coffre là qui n'est pas randomisé. Ou je sais pas quelle est l'histoire, je sais plus. Je ne sais plus. Hein. Bon. Alors. Bon. Alors là-bas, il y a un marchand de Goron, évidemment. Donc, on va aller voir. Mais avant, on a quand même un petit truc à faire. Donc, c'est une âme de spectre. Une insecte, pardon, à récupérer. C'est vrai que le montage d'aujourd'hui va être assez fou aussi. Parce qu'on récupère pas mal d'items, mais. Enfin, pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Donc là, c'est un insecte. Et qu'est-ce que je vais avoir en prime? 10 rubis! Waouh! Ah oui, donc... ouais. Bon, c'est pas foufou, hein. Je confirme, ce n'est pas dingue. Bon, ben, on a vraiment pas de bombe. Bon, on a pas de chance. Enfin, on a de la chance, mais pas de chance en même temps. C'est bizarre, mais... on obtient des trucs. Ah, mais pas souvent. Pas souvent, donc bon. C'est, comment dire, c'est un peu relou. Alors, du coup, on va pouvoir lui acheter. Alors, du coup, les trois trucs sont randomisés, au cas où. Donc, on va pouvoir obtenir 3 items. Donc, on va devoir donner 20 rubis. Et qu'est-ce qu'on obtient? Une âme de spectre. Oui. Bon, ça, c'est une bonne chose, dites-vous. C'est une bonne chose. Parce que ça fait partie d'un collectif qui m'intéresse, en tout cas. Parce que ça permet d'avoir, du coup, 2 choses précises. Donc, voilà. Allez, on va prendre ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, un insecte. Ok, ça aussi c'est très bien, donc pourquoi pas, donc on va pouvoir le donner à Macan, donc c'est bien, 3 insectes, et ensuite, une âme de spectre aussi, bon, ok, bon, ben on va simplement monter. Alors par contre, je sais qu'il y a un autre marchand, mais on va quand même... de nuit aller faire ce qu'il faut et après on passera deux jours. Je pense qu'après on va s'arrêter, hein. Une fois qu'on aura vu le marché, on aura fait ce qu'on a à faire, on s'arrêtera là. Ah oui, c'est vrai que évidemment ça aussi c'est randomisé, les bombes. Alors c'est pas randomisé ça, au cas où, il y a que la première qui est randomisée, donc parce qu'il nous offre un premier sac de bombes, donc voir ce que nous avons. Et 50 rubis. Ouais, bon, c'est pas foufou, hein, je vous confirme, je pense que ce n'est pas foufou. Ouais, parce qu'on obtient énormément de rubis. Et ça, c'est triste. Et on n'obtient même pas de clé. Enfin, très rarement de clé. Il faut vraiment que je voie en bas, mais je crois qu'on n'a pas obtenu de ouf de clé, quoi. C'est un peu triste, tout ça. Hein. En fait, j'aurais dû mettre un truc à droite. Je le ferai la fois prochaine, au cas où. Hein. Comme ça, au moins, je saurai ce que j'ai. Au total. Alors du coup, une âme de spectre, ok. Bon, c'est une âme de spectre, ok. Après, il y en a tellement que c'est normal que ça soit pas randomisé. Et surtout que bon, c'est encore en version bêta et tout ça, donc dès qu'il y aura la version stable, normalement, ça sera corrigé, normalement. Alors, autre âme. Alors là-bas, ici, il y en a une. Allez, donne-moi un truc intéressant, toi, s'il te plaît. Allez, donne-moi un truc intéressant. Waouh. J'ai dit un truc intéressant, pas un rubis. Oh là 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 là, je vous jure. Aïe, c'est triste. C'est triste tout ça, honnêtement. Ah là là, c'est une pauvritude. Enfin, vous pouvez pas savoir. C'est de la pauvreté là. Hein. Je vous le dis, même j'ai l'impression de subir, quoi. C'est dingue. Je subis. Alors, le petit coffre. Enfin, le gros coffre, surtout. Qui contient ? Une âme de spectre, oui. Bon, ça va, quand même, on en récupère pas mal, hein. Ça fait notre 5e ou 6e aujourd'hui, je crois. 5e, c'est ça. Bien. Bah écoutez, pourquoi pas. Bon, on est à la minute. Je crois qu'on va aller carrément à la boutique et récupérer le coffre. Non, d'abord récupérer le coffre dans l'auberge, et après on ira dans la boutique. Donc on va passer à mettre le jour.
Alors, on va mettre le jour et puis après. Parce que lui, c'est que 2 jours, malheureusement. Et en plus, ici, c'est pas fini parce qu'on aura plein de choses à faire, mais quand on aura les items adéquats. Donc. Ah, lui, la musique n'a pas été randomisée, par contre. La musique n'a pas été randomisée. Je sais pas, c'est normal en fait. En tout cas, les items sont randomisés, donc bah, c'est ce qui compte. Mais bon, voilà, c'est bizarre que ça n'a pas été randomisé. Pour ce deuxième épisode, je vérifierai ce qui se passe pour le prochain. Ouais, c'est là où je me rends compte, les musiques ne sont pas randomisées. Tu vois, ce qui n'est pas normal, honnêtement. Oh, me dites pas que ça a fait ça. J'ai pété les plombs, si c'est ça. Est-ce que les clés ont été randomisées? Je sais même pas. Parce que là, du coup, les clés, ça fait comme s'ils n'étaient pas randomisés. Sans rubis. Ok. Ah, les amis, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça me fait peur parce qu'on obtient, enfin, pas beaucoup de choses, quoi. Ça fait peur, ça. Normalement, il me semble qu'on peut sauvegarder, hein. Donc. Oui. In save, résultat seed, save. Donc oui, c'est normalement, c'est censé enregistrer. Alors, les musiques ne sont pas enregistrées, donc c'est sûrement un bug du truc, mais non, voilà. Les coordonnées qui sont là sont propres, enfin, sont bons. Donc, normalement, c'est bon. Je devrais pas avoir de soucis, mais les musiques, c'est... Alors, il faudrait que ça soit corrigé dans les futures versions, ça. C'est à corriger, ça. Bon, après, c'est comme je dis, c'est un panneau au début, il y a tellement de choses qui doivent corriger, qui doivent ajuster. Alors, du coup, là, on va pouvoir, du coup, randomiser les 3 items. Enfin, avoir 3 items randomisés. Qu'est-ce qu'on va avoir ici, tenez? Oui, une âme de spectre. Bon, une âme de spectre. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? 10 rubis. Waouh. Et ce qui me fait mal au cul, c'est que ça coûte 200 rubis, mais on peut avoir un item de merde. Parce qu'on aura un exemple là. Den rubis. Bon. Exactement, on a des items de merde. On va lui donner carrément un peu de rubis, genre 400, voilà. Et du coup, ben, les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je trouve que voilà, on aura déjà pas mal avancé. Je réglerai un peu ce problème de est-ce que vraiment les clés, normalement, vu que la massive a été enregistrée et tout ça, logiquement, je devrais pas avoir de soucis. Mais bon, voilà, je verrai ça dans l'épisode prochain. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouvera du coup logiquement, je dis bien logiquement, pour l'épisode 3 la semaine prochaine, normalement, ou peut-être la semaine d'après. Je pense pas peut-être finalement faire toutes les semaines de ce let's play, honnêtement, parce que ça prend beaucoup de temps à monter. Donc je pense que je ferai pas toutes les semaines. Mais en tout cas, voilà, au moins vous êtes un petit peu au courant. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 2. Et on se retrouve du coup prochainement pour l'épisode 3 dans lequel on tentera d'avancer. Alors, comme vous, hein, comme je dis, les randomiseurs c'est jamais très long. Là c'est exceptionnel parce qu'on fait le 100%, donc parce que pour vous faire découvrir et tout ça. Mais en revanche, au cas où après on ne se fixera plus ça comme objectif, hein, bien sûr. Et on aura sûrement d'autres, hein, de randomiseurs 100%, mais beaucoup plus tard. Voilà, je vous le dis, peut-être tous les 5 ou 10 randomiseurs. Mais voilà, on se fait des petits objectifs. Enfin, on essaie par randomiseur pour que ça soit un petit peu un truc agréable à regarder. Je pense qu'honnêtement, je vous le dis, hein, le deuxième randomiseur sera du coup un randomiseur dit classique. Et il se peut que du coup le troisième randomiseur soit un truc, par exemple, spécialisé sur un item. Imaginons que le but est de récupérer tous les fragments de cœur. Voilà. Donc la run s'arrêtera une fois que, par exemple, nous aurons récupéré les 45 fragments de cœur du jeu. Voilà. Ou les 8 réceptacles de cœur. Donc voilà, un truc vraiment concentré là-dessus. Donc bon, ça peut être intéressant. Honnêtement, ça peut être intéressant. On active du coup toutes les settings et du coup on essaye d'avoir tous les fragments de cœur. Et le but est d'avoir les 45, par exemple les 45 du jeu, ou même l'inverse, on peut faire les 8 réceptacles de cœur, ou même les 60 âmes de spectre, ou même les 24 insectes, ou même les bots skills également. Donc ça peut être tout, hein, tout simplement, mais voilà.
au moins vous êtes un petit peu au courant. Donc merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 2 et on se retrouve prochainement pour l'épisode 3. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace. Avant de s'arrêter les amis, c'est bon, j'ai corrigé le problème au niveau de randomiseur des musiques. Effectivement, en fait, c'est un truc qu'il fallait quand même activer. Donc j'espère que ça n'a pas niqué au niveau des trucs des skills et au niveau de... ou quoi que ce soit, parce que du coup, vu que c'était un nom. Après, je pense pas, vu que du coup, dans le sens, il y avait par exemple, Start avec Crystal, et je crois qu'il était un nom. Les All Portal étaient un nom, alors qu'on a pu se téléporter. Donc je pense que non, en fait, c'est juste ça que ça a bugué à la fin, vu que c'est des trucs qui, voilà, sont, c'est pas ce que la site définit, en fait, si vous voulez. Donc je pense que c'est normal, donc logique. La fois prochaine on pourrait avoir du coup les musiques et randomiser et du coup ben pour constater un petit peu hein, pour vous montrer à quoi ressemblent les musiques quand même customisées des différentes zones que nous avons traversées. Donc on peut voir là, alors, de nuit de base il n'y a pas de musique ici, pareil pour le graveyard, il n'y a pas de nuit il me semble, il n'y a pas de musique de nuit, mais par contre il y a des musiques dans la plaine d'Hyrule, donc on peut découvrir un petit peu les musiques de la plaine d'Hyrule à quoi elles ressemblent. Ok, donc de plaine d'Hyrule Hyrule Field de comment ça s'appelle de jour, c'est quand on, en fait on va remonter un poisson. Ok, c'est ce qui est drôle d'ailleurs. Et on va du coup se mettre la nuit pour parce qu'il y a une nouvelle musique, hein. Enfin il y a, en tout cas il y a une musique de nuit pour la plaine d'Hyrule. Et en fait pour la plaine d'Hyrule il y a, on peut voir, ok, donc c'est une musique comme si on allait être attaqué. Ok, pourquoi pas. Bon bah, au moins voilà, je vous ai fait découvrir ça, c'était important. C'était important, mais voilà, là vraiment on va pouvoir s'arrêter. Donc ça me rassure un peu. Du coup, c'est pas le randomiseur qui est cassé, c'est juste un bug dans le truc. Il faut juste le réactiver en fait. Comme je dis, hein, c'est une version alpha, si vous, donc c'est pas une vraie bêta, c'est pas une stable. Simplement, c'est pas une version stable. Donc la version stable, à mon avis, il faut attendre un petit peu. J'espère juste que la lettre de Ronald ça a pas niqué le truc. Ce qui me semble que ça c'est censé être randomisé, mais je sais plus. Honnêtement, je sais pas. Peut-être il me l'a donné par une chance extrême, je sais pas. Mais voilà, sachant qu'on n'a pas eu les clés, on n'a pas eu rien. Mais ce qui est vraiment ultra chelou, c'est que on a comment ça s'appelle ? On n'a pas obtenu de clés et on a surtout pas obtenu de. Enfin, je crois que ça c'était un nom. Hein. Donc non, All Portal ou quoi que ce soit normalement ça, si je mets non, logiquement ça m'annule tous les portals. Donc en fait logiquement ça marche, c'est juste qu'il y avait un truc, enfin la page musique à activer à mon avis. Après c'est la page musique qui est nouveau, les autres trucs non, mais la page musique c'est nouveau. Donc c'est, à mon avis c'est pour ça que ça bug, il faut juste ajuster encore un petit peu certaines choses. Mais voilà, au moins vous êtes un petit peu au courant. Donc merci les amis de m'avoir suivi, là on va pouvoir bien s'arrêter, hein, ça sera assez définitif. D'ici là, ben, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace.